Alors, ce festival, bien sûr, aura lieu le 15, 7 et 17 avril prochain. Ça va être un festival inattendu. On a plein de choses, parce qu'on ne peut pas faire un remake de Dinard. Ça n'a rien à voir avec Dinard. Il y aura des incontournables, bien entendu, parce que j'ai bien souvent dit que le festival reste aussi un événement qui soit public. Les gens qui n'ont pas l'occasion d'aller voir les défilés à Paris dans les grands salons pourront avoir la chance de venir voir les défilés. J'aime pas employer ce mot-là, mais il faut quand même le dire, entièrement, on va dire, gratuitement, sans avoir besoin de payer ou d'avoir des passes ou des invitations. Et dans l'après-midi, on ne peut pas vous dire le lieu et l'endroit, il y aura un flash mode. Donc on va investir un endroit dans Dinan, on va se créer un défilé de mode. Non, on ne dit pas où. Ça sera inattendu. Ça, c'est aussi très nouveau. Pour justement amener la mode dans la rue. Et il y aura un grand défilé qui va être réalisé, un grand défilé public sur l'esplanade que vous connaissez. Les défilés des 10 créateurs défileront donc devant des milliers de personnes, puisque vous avez une belle esplanade, c'est magnifique. Donc un grand podium avec beaucoup d'effets, de sons, enfin voilà, quelque chose de très moderne, très dynamique, ce que veut le festival, et bien sûr ce que veut Dinan aussi, qui est une ville très dynamique.